Adonai, Adonai, mais la vie, moi non, qui, moi non, mais où. Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce matin, c'est pour moi un grand, grand plaisir de vous rejoindre au bord de la table afin de vous inviter à prendre avec moi une tasse café chaud spirituel. Je vous rappelle, c'est la prière matinale qui est rentrée chez vous avec votre serviteur et ami pasteur Lazare Robinson qui est là pour vous servir. Adonai, Adonai, Adonai. Vous le savez fort bien, chaque matin avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier, c'est un acte de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrez avec nous votre Bible dans Psaume 146, le verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Et le petit thème autour duquel nous allons parler ce matin. Vivez avec une impression de dépendance à Dieu. Chers amis dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ce matin, en quoi que vous fassiez, en n'importe où ou quand, sans l'aide de Dieu, vous aurez des ennuis qui vous dépassent. Dans Juges 16, le verset 20-21, Samson l'a découvert à ses dépenses. Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent. Et Samson a pu voir que c'était le Seigneur qui agissait et non lui-même. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés en Christ, vous devez donc vivre avec une impression de dépendance à Dieu. C'est la puissance de Dieu, non la vôtre, qui fait la différence. Si vous attendez que Dieu vous donne des armes exceptionnelles pour entrer dans la bataille, vous ne connaîtrez pas la victoire. Dieu a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9. Vous saurez que vous avez reçu la bonne onction lorsque Dieu se servira d'un équipement rudimentaire pour faire des exploits. Et ça n'arrivera que si vous dites, Seigneur, je ne sais pas comment tu peux agir à travers moi, mais je te fais confiance. C'est alors qu'il est concerné dans votre combat. Moi, songez 7 ans de cela dans l'église Maison de Dieu en Haïti, dont je suis le responsable. Nous avons organisé une semaine de mission, mais d'ordinairement, lorsque nous faisons mission, nous arrivons dans un an, nous descendons dans le local. Chaque soir, soit nous faisons croisade ou bien nous faisons réveil, mais dans la matinée, nous toujours sortons dans une tournée d'évangélisation. Il se présente, un beau jour, nous sortons dans une tournée d'évangélisation. Gagné un jeune frère qui était âgé à peu près 19 ans d'âge et qui était très fougueux parce qu'il n'a pas longtemps baptisé. Il était baptisé, je dirais, quelques mois avant mission. Hein? Et voilà que ce frère, pendant que nous sortis dans tous les missionnaires, hein, l'a couru avec empressement pour y aller rentrer dans une maison ou je dirais dans la cour. Et pour qui ça l'a couru avec empressement, c'est la cour ça l'a choisi pour rentrer parce que les ouais ont des rapports et les ouais c'est un péristyle. Donc il sentit, il voulait rentrer pour aller dans péristyle là. Et moi-même comme étant pasteur qui a visé, m'estimais il est pas trop convenable un jeune qui a à peine baptisé mal quitté rentrer dans le combat. Ça, moi, elle me dit, non, mon fils, entre combat, ça, c'est peu qu'au combat pas. Donc, quittez nous-mêmes qui, c'est des anciens, rentrer dans le local, ça, mais ou même aller prêcher avec ces deux frères dans la localité, ça, plutôt. Il dit, oh, non, pasteur, non, pasteur, c'est là même que je voulais rentrer. Je me sentis, je me pour mal faire combat, ça. Waouh! Lorsque ce jeune homme t'a déclaré parole, ça, ça t'a frappé très fort dans le cœur. Je me sentis, moi, je pour mal faire combat, ça. Combien de fois, je dis, dans la vie spirituelle, ou senti ou très djam?
Combien de fois dans vie spirituelle ou senti ou très fort? Combien de fois dans vie spirituelle ou senti ou très équilibré? Combien de fois dans vie spirituelle ou senti ou vraiment capable? Et peut-être peu bien ou tellement fort et Dieu est capable ou senti ou prêt pour le combat à ce qu'il paraît ou bien casque du salut à la tête ou à ce qu'il paraît ou bien ceinture la vérité à ce qu'il paraît ou bien bouclier de la foi à ce qu'il paraît ou bien l'épée de l'esprit à ce qu'il paraît ou bien cuirasse de la justice à ce qu'il paraît ou bien botte de l'évangile là à ce qu'il paraît ou bien armé ou prêt pour la bataille, ou bien diam vraiment, ou son gros soldat, ou son gros serviteur bien fort, ou son grande servante bien fort, pas vrai? Laissez-moi vous dire une chose. Ou capable de posséder toutes âmes spirituelles, ça yo, comme étant un grand combattant. Si ou pas yon homme de prière, ou femme de prière, Satan pas bouqué, pas faire coup. Ou à prendre course au coup, ou à poser cette question, est-ce qu'en réalité, ou bien bon Dieu dans la vie ou? C'est pas pour sans raison que apôtre Paul, lorsque dans Éphésiens chapitre 6, il fin fait mention de toutes âmes sa yo, il fin fait mention de toutes âmes sa yo qu'on besoin pour capable un soldat qui prêt pour la bataille. Et puis, piba, dans verset 18, il va dire, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Ou qu'on pour qui ça? C'est parce que, yon monde qui dans le combat, ou pas capable de gagner la victoire sans la présence de Dieu. Même si ou te comprendre que ou son monde qui très fort, ou te comprendre ou son monde qui gagne pile la parole, ou son monde qui gagne pile l'expérience, ou pas capable de gagner aucun combat sans la prière. Bon, faut comprendre nos bagailles. Dame, faut comprendre matin, hein? C'est pas pour sa raison dans 2 Corinthiens 12 verset 10. Apôtre Paul Campbell dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu comprennent que son gros serviteur, son gros servante, ils comprennent qu'elle pas vulnérable. Et moun sa ou souvent ou kon ki faiblesse yo kon genye, yo kon ki faiblesse de consécration. Parce que kon tellement comprenne, tellement bien assuré yo diam, yo pa men envie de prière. Pour qui ça pas men envie de prière? Parce que yo dépend de yo même. Parce que yo kouè nan tête yo. Yo kouè nan stratégie à capacité yo. Et en pile fois, moun sa yo kon fini très mal. M'pense li très important pour marquer attention là-dessus. Lorsque moun sa, li se on moun ki kouè que li dépend, li gen capacité, des fois, kon pa même porter attention si li gen orgueil sa la kaipal. Li kon pa porter attention si li gen faiblesse sa tout la kaipal. Parce que tellement comprenne li son homme de Dieu. Et moun sa yo kon fait des fois, yo prenne pas en pile temps y a intercédé pour moun. Y a prié pour moun. Mais pas j'en dis Seigneur, je suis incapable. C'est une bonne force. C'est une bonne maturité. C'est une bonne capacité. Parce que comprenez, il y a une capacité déjà. Et pourtant là, ça vient montrer que c'est des hommes qui forts. Et mais c'est pendant que vous croyez fort, et mais c'est là ça au plus faible. D'ailleurs, bon Dieu pas jamais servi à monde qui croit fort. Et ça qui est arrivé Samson, Samson pas de comprendre à n'importe quel moment, bon Dieu qu'a chappé dans main et puis il est capable de perdre force lui, elle te comprendre que toute leur qu'a même autorité toute leur, et bien lorsque la vie Samson te dépend de Dieu, et bien il était gain force pour qu'a convaincre les Philistins, pour le bataille avec Philistins, avec seulement un mâchoire d'âne, lui tout 1000 Philistins avec un mâchoire bourrique qui te gagne flèche, qui te gagne lance, qui te gagne épée dans main yo, qui te gagne bouclier, cuirasse, li touye 1000 Philistins. Pour qui ça? Parce que bon Dieu t'est servi avec lui. Qui sont mâchoire d'âne? On mâchoire d'âne pas rien, mais comme la force bon Dieu t'est accompagné. Donc bon Dieu t'est fait Samson pour te battre, la gagner bataille là. C'est pas Samson qui t'est connu gagner bataille, mais c'est la force de Dieu qui t'a agi. Donc lorsque on serviteur de Dieu ou comprendre que ou gen force, ou comprendre qu'on gen maturité, yon servant de Dieu, ou comprendre qu'on gen maturité, ou comprendre qu'on gen force, ça qu'on fait moun, ça va pas tellement men envie de prière. Yon plus pense à faiblesse moun, que yon veille faiblesse la kayo. D'ailleurs, pas même quoi ou ka gen faiblesse. Et puis c'est là, diable la prend yo. Ou un moun qui croit que le faible là, moun qui croit le pas folle, pas diam, d'ailleurs, forme d'art d'un baga qui très important matin, il n'existe pas des hommes forts, il n'existe pas des femmes fortes, il existe tout simplement des gens qui sont prudents et qui répondent poser force dans la force de l'Éternel et qui focus sur puissance bon Dieu et puis bon Dieu toujours bail moun sa victoire et moun sa le fait que yo focus sur puissance bon Dieu c'est la moun qui croit sous sac yo c'est la moun qui croit sous genou yo c'est la moun qui croit dans dévotion de prière yo c'est la moun qui remet humilié dans présence bon Dieu
Ndam ko comprendre matin, c'est côté l'homme plus fort, c'est lorsqu'on descend sous genou. Ndam ko comprendre qui ça fait lorsqu'on descend sous genou ou plus fort, lorsqu'on descend sous genou, toute la vous dépend de Dieu. Tout ça fait dépend de l'Éternel. Ou un monde qui dépend de l'Éternel, tout ça l'a fait l'immense des bon Dieu feu vert et laisser passer. Li pas décider rien sans bon Dieu pas dire un mot. Li pas prend aucune décision. Li pas parler aucun côté. Li pas d'accord avec rien. Li pas répondre avec aucune invitation sans l'Éternel pas dire un mot. Sans bon Dieu pas dire est-ce qu'il est d'accord. Ou un monde qui dépend de l'Éternel, li pas aimer sans bon Dieu. Li pas marié sans bon Dieu. Li pas voyager à n'importe côté sans bon Dieu. Li pas bâti kay non zone sans bon Dieu. Li pas accepter un travail sans bon Dieu. Peut-être ou ka di mais ça pasteur dit là parce que tout bagaille ça c'est des besoins. Oui, on c'est des besoins. Mais en pile fois qu'il y a des monde qui gagne qui pas réaliser un rien avec eux. Pour qui ça? Parce que t'es fait sans bon Dieu. Gen monde qui marié sans bon Dieu, ça c'est ça qui fait en pile fois mariage écrasé rapide. Gen monde qui voyage sans bon Dieu et ça fait pas jamais faire profit. Gen moun ki kon al bati sans bon Dieu, yo kon pèdi kala rapide. Gen moun ki kon ki ton zone la non zone sans bon Dieu, l'arrive dans zone sa li tellement gen problème, l'a mande ki sa le fait la payer. Le kon tan kon fugitif, l'a vive dans caché, l'a passe pas à gauche à droite dans caché. Matin m vle dire un bagay, sou vle bon Dieu camper dans toute affaire ou besoin rete dans présence li dans la prière. Ou besoin comprendre que ou incapable, ou besoin comprendre que ou pa gen force vraiment ma sœur, ou pa gen force mon frère. Tout elmi sa au monde sans lever des dos. Bon c'est des monde qui parle roi qui raille. Sous pas être dans la prière, il y a pas tenu. Bon c'est de monde qui garde chaque le monde ça garde. Depuis le roi il fait mauvais sang. Gè monde depuis le roi il dérangé. Gè monde depuis le temps de parler de où, il senti énervé. Sous pas être dans la prière, on a un problème oui. On a un problème. Donc si ou pas être dans la prière, ou a jouer des situations qui a tellement dépassé ou a demandé qui sort faire payer. Nous besoin comprendre matin, monde qui reste dans la prière. C'est moun ki gon attitude de dépendance de Dieu. Cela veut dire, yo moun ki konnen que li pa dépend de tête li, la ville dépend de Dieu. Moun ki dépend de Dieu, li pa décider rien sans l'Éternel. Tout sera li, li m'pral kote papa. Tout sera li m'pral kote bon Dieu. Donc, matin, mes frères et sœurs en Christ, m'a conseillé pour me dire, quel que soit ça, yo invité yo, mande temps avant pour al kote bon Dieu. Quel que soit décision pral pran, prend ti temps avant pour al kote bon Dieu. Quel que soit koto pral, prend temps avant pour al consulter l'Éternel, quel que soit approche yo ta fait avant répondre avant d'accord à le côté bon Dieu, quel que soit off yo ta fait avant recevoir off ça à le côté bon Dieu, mandé bon Dieu moi par avant, même sous ta monde qui vient contre la li pressé, c'est pour dégager, c'est pour tendre faut le côté bon Dieu, même sous ta monde qui fait un bon pose une question qui est très important, ça pas jamais marquer l'esprit ou on monde veut font bagaille pour et puis mon amour trop li pressé, mon amour trop li plus pressé que ou même ou dans le besoin mon c'est lui qui veut faire bagaille pour lui ou dans le besoin li mon trop li puis pressé passé ou c'est pour poser ta ton question something wrong bon bagaille qui pas yes ou besoin al côté bon Dieu regarde tes que frère ma sœur tes que frère mon frère t'attendais pas courir ou courir trop vite pas accident dans route là ou courir trop vite al côté bon Dieu pour dire Seigneur l'Éternel la vie me pas dépend de moi la vie me dépend de vous me connais pas qu'à décider rien sans ou même si me décide sans ou même me ca victime gien monde qui décide sans mon Dieu je prends coup de poudre gien monde qui décide sans mon Dieu vous comprendre je vois expédition sur les rentrer. Gen moun ki décide sans bon Dieu yo prend l'armée monter. Pourtant lorsque ou al kote bon Dieu pour bagaille qu'on pral décider, lorsque ou al kote bon Dieu non dossier on pral rentrer, lorsque ou al kote bon Dieu nan yon endroit qu'on pral fréquenter, lorsque ou al kote bon Dieu non bagaille yo invité ou pral rentrer la donne, lorsque ou al kote bon Dieu bon feu vert li accompagne ou. D'ailleurs, si le Seigneur ta bon feu vert pour fond bagaille ou ta victime la donne, ça t'a montré que bon Dieu complice. Ça t'a qu'à vle montrer tout infidélité bon Dieu. Le Seigneur, lorsque le d'accord pour participer nos bagailles, lorsque le d'accord pour rentrer nos bagailles, depuis qu'on mal la donne, l'a changé dans bien pour vous. Même s'il t'a mal pour tout le monde, mais vous-même, l'a changé dans bien. Et ce qui fait, lorsque vous jouez le mot bon Dieu, il y a bon la main, fait rien sur vous. La main monte, pas, ou pas prendre la main. Et puis, l'Éternel a plastifié, mais avant même qu'on prenne coup, ou prenne main ça. Lorsque vous voyez une expédition, l'Éternel crampé devant vous. L'Igon para expédition. Depuis la route expédition, on l'y rete. Amen. Lorsque, ou jouez le mot bon Dieu,
yo fait complot sous dos. Même si 20 000, 14 000, 50 000, yo mettez ensemble, pour yo capable de faire un complot, pour yo atteindre la vie, y a seulement gardé ses ouais, pour bon Dieu passe avant, y a saisi, y a demandé qui ça a passé là. Donc, il est important pour comprendre. Dans tout ce qu'on fait, gardez, faire avec bon Dieu. Ou besoin de jouer un mot bon Dieu d'abord. Moun la vie dépend de Dieu. Je sais, moun kap mène vie de prière. Parce qu'on connaît pas qu'à faire rien, river, aucun côté, réaliser rien sans bon Dieu. Moun sa yo, l'homme pas qu'à faire au mal. Moun sa yo, moun pas qu'à jouer une boutio. Mes frères, mes sœurs, y a trois et nous, mais pas qu'à toucher. Y a pas le mal, mais pas qu'à manger. Y a attaqué. Y a pas atteindre objectif. Y a privé devant, y a tremblé, y a retourné. Parce que l'éternel qu'a dévié plan. Ou est plein à faire sous dos, sous son homme ou bien femme de Dieu. Plan ça a déjoué au nom de l'éternel. Donc maintenant, pas quoi de capacité, pas quoi de dimension, pas quoi ou son monde qui est capable ou son monde qui diable, mais quoi dans puissance bon Dieu, quoi dans autorité bon Dieu, et puis quoi que c'est petit bon Dieu, yé. Donc bon Dieu c'est papa ou l'épique grand passeau, c'est petit bon Dieu, l'éternel c'est grand bon Dieu, avant décider, avant faire quoi que ce soit, ou besoin à l'côte bon Dieu. Lorsqu'on fait tout à fort, lorsqu'on a un problème, c'est là sur l'côte bon Dieu. L'éternel croise deux bras la garder, parce qu'on pas jamais dit rien avant. C'est pas à profit de décider pour parler à bon Dieu, mais c'est depuis avant pour parler à bon Dieu. Et là, l'éternel a campé avant la dame. Mais si c'est avant pour parler à bon Dieu, à le décider, là, dans la fois, bon Dieu, n'a pas de consulter. Vous comprenez? Ou qu'a gémis, et ou qu'a même risqué victime même. Ou qu'a risqué victime même. Donc, maintenant, apprenons ça. Avant toute bagaille, agis comme monde qui dépend de Dieu. Là, vous dépend de Dieu, quel que soit côté bralé. Quelle que soit décision à prendre, quelle que soit acceptée dans vie, quelle que soit décision pour aller prendre pour d'accord en bagaille, quelle que soit ça pour aller rentrer là-dedans, pas faire sans mon Dieu, parce que la vie, lui dépend de l'éternel des armées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, matin, nous bon gloire, nous bon honneur, pour amour, pour compassion envers nous-mêmes. Merci parce que pas jamais suspendre garder nous, ou pas jamais suspendre protéger nous, ou pas jamais suspendre faire devoir envers nous-mêmes. Si rien, si nous t'a parlé de culpabilité, pas quoi jamais coupable, c'est nous-mêmes en tant que l'homme qui toujours coupable devant nous. Et c'est pourquoi nous pas jamais suspendre mandat grâce et pardon. Si peut-être nous t'a foissé en parlant, en regardant, en agissant, maintenant en peine, à supplier en grâce, pour ne pas rentrer en jugement avec aucun de nous-mêmes. Mais tant pis que grâce à puissance, on va répandre, sous ministère, backup, sous chaque bien-aimé capteur des prières, ça, matin, en sorte qu'il y ait accès pour qu'à rentrer dans le sanctuaire pour une présence. Père, merci parce qu'on va nous, privilège pour nous passer une agréable nuit. Et merci pour cette matinée. Au cours de cette journée, vous planifiez, permettre à ce que chaque bien-aimé frère et sœur qui finit de prier ça, pour comprendre quelle que soit décision qu'on peut prendre, quelle que soit ça qu'on peut faire, pour faire avec vous-même, pour faire après ou fin parler avec vous, ou fin dire mais ça pour faire, et à décider après décision par, pour pas agir comme étant monde qui dépend de vous, monde qui croit dans la capacité, yo. Parce qu'en pile fois qu'on a pile monde qui croit dans la force, sur la capacité, yo gémis, yo qu'on honte, yo qu'on sorti de la honte. Mais lorsque nous comptons sur capacité, nous comprenons ces timoun que nous y est, nous menons vie de prière, parce que nous comprenons nous insuffisants, nous comprenons nous incapables. Seigneur, nous pouvons faire même erreur avec Samson, pour nous oublier à n'importe quel moment, nous qu'a perdu puissance, nous qu'a perdu force, nous, et puis pour nous manquer vigilant. Mais Père, lorsque nous connaissons que force nous, c'est dans nous même lié, lorsque nous connaissons, Seigneur, victoire nous, c'est dans nous même lié, nous faisons tout ça possible pour nous être dans présent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à toute heure, à chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque mois, chaque année, n'a goumé pour nous rentrer pifon, parce que nous connaissons le jour nous chaper, le jour chaper dans nous, Seigneur, n'a perdu bataille, diable a fait nos coups. Seigneur, tant pis, bah nous grâce ça, et pour nous capables vigilants, pour nous capables envie de prière, et pour nous comprendre quel que soit ça l'a fait, nous besoin faire de la prière, permettre au Dieu, au cours de cette journée, chaque bien-aimé qui finit tendre méditation ça matin, hein, tout ça, on peut le faire, il y a descendre tête, il y a lui, Seigneur, dis un mot ou devant derrière. Il y a dit Seigneur, moi incapable oui, ou même seul qui est capable. Fais devoir par Seigneur et me prête même pour m'appliquer tout ce que pour me faire. Et laisse ça Seigneur, il va aller de victoire en victoire. Père infiniment, nous t'en prions, non pas en vertu de nos mérites, mais nous réclamons toutes ces grâces au nom de Jésus, à qui soit la puissance dès à présent et pour toujours. C'était avec vous, votre serviteur et ami pasteur Lazare Robinson du côté de New Jersey. Et si vous t'avez contacté nous, soit peut-être pour une demande de prière ou demande de conseil ou carré les nous dans 862 212 95 43.
Que le Seigneur vous bénisse et passez bonne journée dans la présence de Dieu.